Je pense qu'un match comme ça au mois de décembre, on l'aurait peut-être pas gagné, alors que là, on a maîtrisé d'autres sujets, on ne prend pas d'essais, c'est un match de bout en bout qui a été très tendu, mais on est resté devant du début à la fin, et voilà, donc on a maîtrisé une équipe du Racing qui venait avec pas mal d'ambition, du fait qu'ils avaient été défaits à domicile le week-end précédent. Voilà, je pense que tout est résumé. Ben, cette équipe de Lyon aujourd'hui, elle est à son niveau. On va dire qu'ils ont fait une demi-finale l'année dernière au stade des Lumières à Lyon, et donc ça veut dire qu'ils étaient parmi les quatre meilleures équipes du championnat. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont trois ou quatrième. Donc c'est une équipe qui tient son rang à domicile, invaincue, meilleure défense du championnat à domicile. Donc voilà, c'est une très belle équipe. Ils mettent beaucoup de contests sur les phases de ruck. Ils ralentissent beaucoup les ballons. Ils sont très bien organisés. Ils ont un très bon contre en touche. Mais après, le truc, c'est que rien n'est impossible. Donc, même s'ils sont très très forts, ben, à nous d'essayer de leur poser des problèmes et d'y aller avec beaucoup d'ambition. Tout est possible jusqu'à la fin de la saison, mais on reste en embuscade. On est bien à 7e place. On est observateur et voilà, on est un peu comme un loup regardant sa proie. Et voilà, celui qui se trompera, et bien, on essaiera de s'y jeter dessus pour lui passer devant.